Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de. Je vous ai dit de ne pas me parler comme ça. Fallout 3. Il y a... Bonjour Dave. Je suis Dave, président de la République de Dave. Vous m'appellerez Monsieur le Président ou je vous ferai exécuter. Oula! Bon, vous demandez la citoyenneté, l'asile ou simplement un visa de touriste dans la République de Dave? Très vénéré Président Dave, je représente officiellement les terres désolées. C'est vrai? Excellent. Ça a, c'est passé. Je suis heureux d'apprendre que les terres désolées ont enfin reconnu la souveraineté de la République de Dave. Si la population des terres désolées se montre généreuse et respectueuse, je daignerai peut-être annexer son territoire. Votre République est finie. Il se passe quelque chose ici, Monsieur le Président? Il va y avoir une élection pour renouveler le président. Ah. Ne faites pas cette tête. Vous ne voyez pas que c'est une République? Je n'en sais vraiment rien, je viens d'arriver. Ah, vous voulez en savoir plus? Eh bien, c'est l'élection qui fait la différence entre un président tel que moi et un monarque comme mon père. D'accord. Votre père était un monarque comme le papillon. Alors, votre père était monarque et vous êtes président, comment ça marche? Mon père a hérité du pouvoir à sa naissance et a rebaptisé cette grande nation le Royaume de Tom. D'accord. Bien que j'ai hérité mon pouvoir politique de mon père, à mon arrivée, j'ai formé une république pour que le peuple puisse élire son chef. D'accord. J'aimerais qu'on discute de l'élection. L'élection n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui se présente à l'élection? Seulement moi. Pourquoi les gens d'ici auraient-ils besoin de quelqu'un d'autre que Dave? Je leur donne tout ce qu'ils demandent. Pourrais-je me présenter? Est-ce que c'est marqué quelque part? J'aimerais me lancer dans la course à la présidence. Je regrette, mais seuls les citoyens peuvent se présenter comme candidats. Alors, vous ne remplissez pas les conditions. D'accord. Je veux en savoir plus sur la République. Le ministère du Tourisme gère les questions... Ministère du Tourisme, je vais aller voir le ministère du Tourisme, je vais essayer d'être président, mais pour ça, il faut d'abord que je sois citoyen. Qu'est-ce que je pensais? Ça va pouvoir être possible, ça. Jessica. Dave a dit que ça marchait? J'aimerais en savoir plus, hein. J'aimerais qu'on discute de l'élection, votre... Vous devriez plus... Vous pouvez m'en dire plus sur vous, Jessica? Tout ce que j'ai à dire, c'est que Dave est mon mari, le mien, vous comprenez? D'accord. Ok, c'est pas grave. Donc il a au moins une femme, ça c'est Rosie. Salut Trésor, vous avez parlé à Dave? Oui, j'ai parlé à Dave. J'ai appris que Dave vous avait permis de... J'aimerais en savoir plus sur la République. Bien sûr Trésor, mais ne traînez pas où Dave va se... D'accord. Il n'y a pas grand chose à dire, je suis la femme de... D'accord. Moi j'aimerais être... citoyen. Oh. C'est verrouillé pour une bonne raison. Ne vous faites pas d'illusions. D'accord. T'as pas la clé. Clé spéciale de Dave. Moi. Impossible d'attendre à cet endroit. D'accord. Sortons. D'ici, je dirais 7 heures. On va bien voir. Hein. Bon, excusez-moi, je regardais un truc sur le niveau de la poupée. Ça va être intéressant. Rosie dort ici. Une gamine est là. Vous avez entendu parler de Dave, monsieur? Là, y a rien. Encore une heure, peut-être? Personne ne dort ici? Ah, oh, ce que les Brahmines puent aujourd'hui. Tu ne me vois pas? Pas une bonne idée.
Tu ne me vois pas. Putain, une heure de plus, mais va dormir. Mais il ne dort jamais ? Ça fait plaisir de vous voir. Allez, bouge. 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 Arrêtez. Putain, il bouge pas. Bon, tant pis, on va aller ailleurs. Ça doit être l'école, non? Quartier des femmes. Oh. Vous n'avez rien à faire ici. Clé de la porte principale. Pardon, je sors. Si vous tenez à la vie, vous feriez mieux de filer. Oh, t'es pas drôle. Alors, on va attendre 22h. 20h, tiens, pour ta peine. Allez. Bon. Hop. On y retourne. 5. Non. Vous n'avez rien à faire ici. Et puis la fille en question n'est plus là. Si vous tenez à la vie, vous savez que j'ai quelque chose qui vous intéresse. Rachael. Donc c'est toi qu'on attend. On va attendre. On va mettre 10 heures, c'est pas grave. Je veux attendre pour avoir tout dans ce truc. Chose. Machin. Quartier des hommes. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Non plus. On trouvera. Musée de Dave. Ah voilà, donc là c'est une... Je sais que normalement par là. Quelqu'un des terres bon, désolées. Commençons la classe. Comme dans les histoires. Voilà. De Dave. Mais je sais déjà tout sur Dave. Bienvenue. Dave vous a donné son accord. Je m'occupe du musée de Dave. D'accord. Bon. Pistolet chinois. Fusil d'assaut chinois. Sabre d'officier chinois. Ils sont très chinois en fait dans le coin. Non mais ça me dérange pas. D'accord. Ok. Bon. Alors. Moi je vous dis un instant, chers amis. Re, chers amis, donc. Alors. Je suis allé voir s'il y avait moyen d'être élu. Citoyen. Ah, ce que les Brahmines puent aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Voilà, va lui causer. Hop. Président papa, il y a quelqu'un des terres désolées qui veut te voir. C'était juste pour ça. Non.
Ah! Hey, salut, Trésor. Vous avez parlé à Dave? Oui. J'ai appris que Dave vous... Bon, bah, un deuxième instant. On va bien voir. Re, chers amis. Donc, alors, cette fois-ci, on y va. On y retourne. J'ai à peu près compris comment qu'on va faire pour baiser Dave. Oh, putain, même dit comme ça, c'était glauque. Dave! Ça suffit, Excellence. Cette République ne... Votre République est finie. J'aimerais qu'on discute de l'élection. L'élection. Je peux vous aider, peut-être? Bien sûr, pourquoi pas? Le peuple a tendance à attendre. Je vous donnerai quelques capsules si vous dites à tous les adultes de venir au bureau de vote afin que je... Mais je ne m'inquiète pas pour autant, le peuple... D'accord. Bien sûr que j'ai voté, j'ai été le pro... D'accord. Le bureau de vote. Donc l'urne, elle est là. Ah, ce que les Brahmins... Inutile de penser à entrer là-dedans. Donc, l'objectif, chers amis, normalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sera de... De piquer ce qu'il y a dans l'urne, sauf pour une personne. Voilà, d'accord, ok, c'est bien ça. Je viens de checker quand même un petit peu l'astuce. J'ai appris que Dave vous a... J'aimerais qu'on discute. Mieux vaut aller voter si ce n'est pas déjà fait. Vous avez raison. Dave a dit que ça marchait ? Mieux vaut aller voter si ce n'est pas déjà fait. Allez voter, allez voter, allez voter. Bob, t'es où ? Bob, t'es là. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Allez. D'accord. Voilà. Bonne chance, Dave. Dave, tu as ma voix. Dave. Ah, ce que les Brahmins puent aujourd'hui. Allez, dépêche-toi. C'est lui, notre nouveau président. Ah, ce que les Brahmins puent aujourd'hui. Tu vas arrêter de te plaindre, Jessica. Je suppose que voter pour Dave est le choix le plus patriotique. Salut. Salut. Ok. J'aurais dû sauvegarder avant, j'ai été trop con. Tant pis. Je suppose que voter pour Dave est le choix le plus patriotique. Salut. Ok. Bon, et c'est là, chers amis. Apparemment, c'est là. Donc. Oui. Que peut le... J'aimerais qu'on discute de l'élection. Dites à Shona que Dave lui... Shona. Oh. Ok, je ferai mieux d'y aller. Il reste Shona. Il reste Salut. Shona. Shona qui est... C'est pas la gamine quand même. Flower. Ah oui, non, c'est celle qui est dans le quartier des femmes et qui est ici en fait. Ça fait plaisir. Besoin de quelque chose ? Mais vous allez voter. Salut ! Salut ! Alors. Puis d'attendre cet endroit parce que oui, c'est là qu'il va y avoir le vote. Bon, est-ce qu'elle a voté ? Mène notre république vers la gloire. D'accord, vous êtes prêts les gens? C'est parti. Oui. J'aimerais qu'on discute de l'élection, on dirait que les votes sont comptés, monsieur le président. Bien. Ah, oui, je l'ai oublié. Voilà vos capsules. Attention. Quand il va ouvrir l'urne. Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. Voyons ce que nous avons là. Un bulletin pour moi. Non. Et un autre. Oui.
Inutile de penser à entrer là-dedans. Voyons ce que nous avons là. Un bulletin pour moi. Et un autre bulletin pour moi. Une minute. Quelqu'un a touché à l'urne. Après dépouillement, la présidence revient à... Rosie ? Oui ! Rosie ne peut pas présider. Non, c'est injuste, impossible. Oui ! D'accord, je m'en vais. On verra comment vous ferez sans moi. Bon mandat ! Ça ne vous appartient pas. Non ! Pas Rosie, apparemment. Oui ? Alors. Si c'est fermé, c'est pour une bonne raison. Oui, je sais. Oh, vas-y. Fais pas chier. Voyons ce que nous avons là. Un bulletin pour moi. Et un autre Hop. Bulletin pour moi. Et une minute. Quelqu'un a touché à l'urne. Salut. Après dépouillement, la présidence revient à... Rosie ? Rosie ne peut pas présider... Hop, les idées. Non. Tu vas me la donner, oui. Tu vas me la donner, oui. Ça ne vous a... Tu vas me la donner. Vous avez... Putain. Voilà. Oui. Que... Mais c'est plus le président. Mais c'est plus le président. Rosie, t'es où? Oui. J'ai appris que Dave vous a... Je n'ai pas gagné. Mais non, elle a gagné. Mais c'est quoi ce bug? Ah non! Chargé. Voilà. Oui. Ça fait plaisir de vous voir. Les votes sont comptés, mon cher. Oui. Que... Ah. Merci. Sauvegarde rapide ici. Voilà. Alors. On y est, chers amis. Si vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Voyons ce que nous avons là. Un bulletin pour moi. Et un autre bulletin pour moi. Voilà. Une minute. Quelqu'un a touché à l'urne. Après dépouillement, la présidence revient à... Rosie ? Rosie ne peut pas présider. Non, c'est injuste, impossible. D'accord, je m'en vais. On verra comment vous ferez sans moi. Bon mandat. Oui ? Que peut le... D'accord. Rosie ? Rosie, venez. C'est une victoire. J'ai appris que Dave vous avait... Mais non, c'est une victoire. Oui, que... Mais what, c'est quoi ce bug? Très bien. Bon. F9. Inutile de penser à entrer là-dedans. Voyons ce que nous avons là. Un bulletin pour moi. Et un autre bulletin pour moi. Et une minute. Non ! Là ! C'est verrouillé pour une bonne raison. Ne vous faites pas d'illusions. Voyons ce que nous avons là. Un bulletin pour moi.
un autre bulletin pour moi. Ok. Une minute. Quelqu'un a touché à l'urne. Après dépouillement, la présidence revient à... Rosie ? Rosie ne peut pas présider. Non. Ah, c'est peut-être parce qu'il dit que quelqu'un a touché à l'urne. Après dépouillement, la présidence revient à... Rosie ? Arrêtez ! Oh, qui me gonfle, ce mec ! Après dépouillement, la présidence revient à... Rosie. Parfait. Rosie ne peut pas présider. Voilà, tu me donnes ton fusil. Assemblage de manomètre à vapeur. Voilà. D'accord. Je m'en... Oui. Que... Je vois, ça va le plus... Des projets sur l'avenir. Eh bien, la République de Dev... Un jour... Ouais, d'accord. Bon, bah la quête est complètement buggée en fait et tout. Parce que Rosie gagne. Bob ne peut pas présider. Ah ! Non, c'est injuste, impossible. D'accord, je m'en vais. On verra comment vous ferez sans moi. Bon mandat. Ah ah ! Oui. Que Bob ! Bob, où tu es, mon pote ? Putain ! Bob ? Bob, t'es président ! Vous avez entendu parler de Dave, monsieur ? Allez, dépêchez-vous. Mais non ! Peu importe. Bon, zone buggée. Voilà, c'est dit. Au moins, j'ai récupéré le Super Sniper of the Dead. Où est-ce qu'il est ? Enfin, le Sniper. Non, c'est pas un Sniper, apparemment. C'est une carabine. Fusil de chasse, où est-ce qu'il est ? Voilà. Le voilà. Salut. Comme... Il fait beaucoup plus mal. Comment ça va aujourd'hui ? Alors. Il utilise du 0.32 comme celui-là ? Ah oui. Parfait. Parfait, parfait. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur dans la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.